The Teranga Lions of Senegal impose superiority in a loggerhead against the indomitable Lions of Cameroon in the crucial Group C outing in the AFCON 2023 in Côte d'Ivoire. Get the highlights of that encounter in this newscast. Plus, Prometa Group birthed two new factories specialized in the fabrication of iron rods, domestic gas bottles, and corrugated roofing sheets. Prime Minister Joseph Diongute inaugurates the units, promising government support to such private sector initiatives. Plus, the Circle of Friends of Cameroon, SERA, constructs and equips a youth training center for trade in Lembe Yezum in the Upper Sanaga with warm words of encouragement from First Lady Chantal Biya. Voilà pour les titres du journal, la première partie du journal, de ce journal télévisé bilingue, pour dire qu'un envoyé spécial du président de la République, sœur du Tchad, était cet après-midi au palais de l'unité. Mahamat Assouyouti Abakar, ministre tchadien de l'économie, du plan et de la coopération internationale, est venu remettre au président Paul Biya un pli fermé de son homologue tchadien. Occasion pour l'émissaire tchadien d'évoquer avec le chef de l'État du Cameroun diverses questions d'intérêt mutuel. Voici le reportage au palais de l'unité de Yves-Marc Medjo. La présence à Yaoundé ce vendredi 19 janvier 2024 de Mahamat Assouyouti Abakar rentre dans le cadre d'une tournée sous-régionale qui l'a conduit précédemment dans d'autres pays de la sous-région. Elle s'inscrit surtout dans une dynamique de réchauffement de l'axe Yaoundé-N'Djamena dans laquelle se sont engagés les deux pays depuis la parenthèse Savannah Energy. Monsieur Mahamat Assouyouti Abakar, ministre tchadien de l'économie, du plan et de la coopération internationale. Dans ce ciel à nouveau sans nuages entre les deux capitales, le ministre tchadien de l'économie, du plan et de la coopération internationale, envoyé spécial du président Mahamat Idriss Déby Itno, vient au palais de l'unité remettre au président de la République Paul Biya un pli fermé de son homologue tchadien et évoquer avec lui diverses questions d'intérêt partagé. Je suis porteur d'un message de son Excellence le général Mahamat Idriss Déby Itno, le président de la République du Tchad. C'est un message qui porte sur la coopération sous-régionale dans la zone CEMAC, mais au-delà, c'est un message aussi de fraternité du peuple tchadien au peuple camerounais. On a eu à discuter des sujets d'intérêt commun, notamment de l'état de la communauté. Aussi, on a discuté des sujets qui portent sur la relation bilatérale entre le Tchad et le Cameroun qui sont très florissantes. Comme vous le savez, nos deux pays sont des pays frères. Les questions qu'on a discutées sont notamment des questions qui portent sur la zone CEMAC et éventuellement les deux chefs d'État vont se retrouver très bientôt pour discuter plus en profondeur de ces questions. Au rang des présences qui ne sont pas passées inaperçues à l'arrivée de l'émissaire tchadien au palais présidentiel, celle du docteur Mahamat Hassan Borgo, secrétaire général adjoint de la présidence de la République du Tchad, son Excellence Djida Moussa Outman, ambassadeur du Tchad dans notre pays, et celle de Abbas Toli, le gouverneur sortant de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC en abrégé. Monsieur Abbas Toli vient à la fin de son mandat d'ici quelques semaines. Comme vous l'avez constaté, Monsieur Abbas Toli a conduit beaucoup de réformes qui ont porté des fruits. Et c'était aussi une occasion pour présenter ses résultats au chef de l'État et prendre ses conseils à viser. L'audience entre le président Biya et l'envoyé spécial du président Mahamat Idriss Déby Itno du Tchad a duré près de trois quarts d'heure. The President of the Republic, Paul Biya, and senior Tchadian government official have reviewed the state of bilateral relations between N'Djamena and Yaoundé. Mahamat Assouyouti Abakar, Tchadian Minister of the Economy, Plan and International Cooperation, was bearer of a special message from the Tchadian President, General Mahamat Idriss Déby Itno, to his Cameroonian counterpart, President Paul Biya. They also discussed the viability of the CEMAC sub-region. Unity Palace correspondent Ashunyen reports. Received on arrival at the Unity Palace by the Chief of State Protocols Pierre Bikele and the Minister Director of the Civil Cabinet of the Presidency Samuel Vondo Ayulu,
The emissary from Germany, Mohamed Asuyuti Abakar, Minister of the Economy, Plan and International Cooperation, dispatched by the President of the National Transitional Council of Chad, Mohamed Idriss Deby Itno, was visibly relaxed and enthusiastic to meet with President Paul Biya, a towering figure in Africa and a linchpin within the CEMAC sub-region. After the traditional brief protocol civilities, symbol of Cameroon's hospitality, the Chadian special envoy met one-on-one with the President of the Republic on the third floor of the Unity Palace, carrying along with him a special message from the Chadian military leader. Monsieur Mahamat Asoyuti Abakar, ministre chadien de l'économie, du plan et de la coopération internationale. Forty minutes of exchange between President Paul Biya and the Chadian special envoy to consolidate bilateral relations between the Republic of Chad and Cameroon. My delegation and I were received by the head of state. I am a bearer of a special message from General Mohamed Idriss Deby Itno, President of the Republic of Chad, a message that touched on the cooperation of the CEMAC sub-region and beyond, and a message of fraternity from the people of Chad to the Cameroonian people. We discussed issues of common interest, notably the state of the sub-region and bilateral relations between Chad and Cameroon, which are excellent. As you know, we are two brotherly countries, and the issues will be addressed profoundly when the two leaders meet soon. The intimacy and proximity existing between the two neighboring countries was sufficiently reflected in the conversation, and according to the Chadian special envoy, both leaders will soon meet to push for the reflection. The high-level visit no doubt opens a window of opportunities to reset the state of bilateral relations between N'Djamena and Yaoundé. And that was Brother Amin Ken Edward reporting on the audience at the Unity Palace today. Atta. La suite du journal, Salih Reihanato, pour dire que l'industrie métallurgique s'impose dans la transformation structurelle de l'économie camerounaise. Le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Nguté, vient de procéder à Douala à l'inauguration officielle de deux unités industrielles spécialisées dans la production des matériaux de construction à base de fer pour l'une et dans la production de bouteilles de gaz pour l'autre. Prometal 4 et Prometal 5 cumulent un investissement de plus de 52 milliards de francs CFA. L'événement est placé sous le haut patronage du président de la République, Paul Biya. Voici le reportage de l'envoyé spécial de la CRTV à Douala, Laurentine Bokono. Une photo, quelques images. C'est un casque et chasuble que le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Nguté, a procédé ce vendredi à Douala à la visite des installations techniques de Prometal 4 et 5 de la chaîne de production du fer à béton sous la rougeur à chaud de l'acier qui fond ainsi que du process de fabrication des bouteilles à gaz ou des tôles ondulées. Quand il quitte la scène de transformation industrielle, chacun des participants repasse en série les images de la cérémonie d'inauguration. Le mot de bienvenue du maire de la ville de Douala, Roger Mbassandiné, qui mentionne l'attractivité territoriale de la ville de Douala, désormais hissée en haut niveau. La vidéo flash de 15 secondes diffusée en boucle pour mieux apprécier les activités de Prometal en sidérurgie, métallurgie. Ou encore, la prise de parole du président directeur général du groupe Prometal, Issam El Jamal, et de s'exclamer. Voilà la réponse que notre industrie donne à l'attente du chef de l'État à consommer ce que nous produisons. Prometal 4 est l'usine de transformation de fer la plus moderne et la plus diversifiée d'Afrique au sud du Sahara. Un investissement de 45 milliards. Prometal 5, usine de fabrication des bouteilles de gaz, dispose d'une capacité de production annuelle de plus de 600 bouteilles de gaz. C'est un investissement de plus de 12 milliards de francs CFA qui permettra au Cameroun d'abandonner les importations de bouteilles de gaz. Les deux projets pour lesquels nous sommes réunis, à savoir Prometal 4 et 5, sont en cohérence avec les orientations stratégiques du sous-secteur mine, métallurgie, sidérurgie. Ils sont en outre la preuve irréfutable
de ce que Prometal apporte une contribution notable à la concrétisation des grands axes de notre politique de développement, au nom desquels figurent l'industrialisation, l'import substitution, la transformation locale des matières premières et la promotion de l'emploi. Le propos du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Gauthier, retentit alors en termes de grande satisfaction devant cette grande réalisation porteuse de grandes opportunités. 1500 emplois, dont 500 emplois directs et toutes les retombées escomptées dans le cadre de la lutte contre la vie chère. L'industrie de la métallurgie et de la sidérurgie connaît et connaîtra des jours heureux au Cameroun. L'offre sur le territoire national, en tout cas, est largement supérieure à la demande et notre pays a désormais la capacité d'exporter des produits de ce secteur, un secteur névralgique dans lequel les entreprises locales se sont investies et tiennent bien les rouages du marché. Le Made in Cameroun qui bat le fer chaud, c'est un reportage de Léon Bertrand-Tanifo de CRTV Littoral. L'effort national a clairement permis d'inverser une certaine tendance. Grâce à des investissements massifs des entreprises camerounaises dans le secteur de la métallurgie, sidérurgie, boosté par les mesures incitatives du gouvernement, le Cameroun est aujourd'hui un grand producteur dans le domaine. En 2022, d'après l'Organisation camerounaise des industries de transformation de l'acier, la production cumulée des acteurs de la filière était de 260 000 tonnes de fer pour une capacité installée de 450 000 tonnes. Elle permet, n'est-ce pas, de mettre en mouvement un certain nombre de dynamiques en matière de production qui va donc permettre que l'optimisation de la production se fasse, mais que surtout un problème pour régler celui du coût. Les nouvelles usines dans ce domaine permettent aujourd'hui au Cameroun d'être exportateur de certains produits de la métallurgie. Et les investissements dans la production des bouteilles de gaz vont permettre au pays de faire des économies substantielles. L'économie, n'est-ce pas, de notre pays ne peut se construire véritablement qu'avec les infrastructures, avec les structures, avec les unités de production de ce type. Des appels à l'investissement pour faire davantage croître la production dans différents secteurs et consolider les visées expansionnistes de l'économie camerounaise. Parlons maintenant de nos forces de défense. 400 km à pied, c'est le test réussi cet après-midi par les près de 1000 élèves sous-officiers en formation à Koutaba. Pendant 10 jours, ils ont fait l'expérience de l'endurance, des aptitudes psychologiques et de la camaraderie jusqu'à leur arrivée au centre de formation technique des armées des Kounou ici à Yaoundé. Quelques moments forts de cette marche commando redoutée avec Pierre Evimbé. Ce drapeau a parcouru 400 km porté par ces jeunes hommes et femmes ayant chacun au moins 30 kg de partage. Ils ont quitté le centre d'instruction des élèves sous-officiers de Koutaba il y a 10 jours dans le cadre de l'épreuve de la marche commando dite des 400 de leur formation. Un test qui touche de façon intégrale ces soldats. J'ai appris à dépasser mes limites parce qu'il faut traverser sa douleur, la fatigue, etc. pour poursuivre avec les camarades. C'est beaucoup d'enseignements, ne pas abandonner, même si on est à bout de force. Ils seront au terme de leur formation maréchaux de logis, sergents ou officiers mariniers, des futurs chefs qui ont besoin de certaines valeurs intrinsèques. C'était de consolider la condition physique, de leur forger un état d'esprit et psychologique très fort, et de leur faire découvrir la géographie d'une partie du pays. Comme un Eldorado, l'arrivée au centre de formation technique des armées, le CEFTA, des Kounou, n'est qu'une étape dans l'espoir placé en eux. Nous attendons d'eux qu'ils soient à la hauteur de toutes les missions qui leur seront confiées par le haut commandement militaire. L'armée est une famille et le drapeau passe avant tout. Voilà un des acquis majeurs de ces élèves sous-officiers à l'issue de cette marche commando des 400 km.
The Prime Minister Joseph Dion Guté says the government is ready to support all private sector investments which are aligned to the strategic vision of the head of state reflected in the National Development Strategy. He made a statement today in Douala where he represented President Paul Biya at the inauguration ceremony of two factories belonging to the Prometal Group. The processing unit known as Prometal 4 and Prometal 5 are specialized in the fabrication of iron rods, domestic gas bottles, and corrugated roofing sheets. Details with Star Building correspondent Christian Chiata. The first of the two new factories, Prometal 4, is specialized in the production of iron rods and other construction hardware and is an investment worth some 40 billion francs. It has a capacity of producing 300,000 tons of iron rods per year, while Prometal 5, which specializes in the production of domestic gas bottles, is a 12 billion worth investment with a capacity of 600,000 bottles of gas per year. The officials and elite of the littoral region were present at the Magzi Bassa Industrial Zone for the inauguration of the two new factories. The Douala City Mayor, Roger Mbassa Dine, the first to address the assembly, hailed the opening of the processing plants as a huge boost to the economy of the region. The CEO of Prometal Group, Hissam El Jamal, said the two new processing units are a continuation of his group, which has already generated some 1,500 direct jobs since its installation in Cameroon. He commended the government for taking steps to upgrade the level of electricity supply in the country and to start the exploitation of iron ore, adding that the measures will help its group expand its production capacity. The Prime Minister of Government, Joseph Dion Guté, who represented President Paul Biya in his inaugural address, said the Prometal Group is a shining example of a private sector investor which meets the strategic vision of the head of state. He said the group has invested about 150 billion francs since it first came into Cameroon and has helped in creating wealth by generating over 1,200 direct jobs. Joseph Dion Guté said the new Prometal 4 and 5 processing plants will not only reduce importation, but will give Cameroon the possibility of expanding her capacity to export to the African Continental Free Trade Zone. Cameroon now has the capacity to meet internal and external demand for iron and steel thanks to the massive investment of local actors. However, for the supply of these metallurgy products to be sustainable, there is the need for more production units to be constructed and other problems affecting the sector addressed. Gladys Atemba, Chechuma Banlah reports. It is a sector that is fast developing, even though it still faces problems related to energy supply and the availability of raw materials. However, thanks to massive investments by Cameroonian companies in the iron and steel sector, boosted by government incentives, Cameroon is now a major producer in the field with the capacity to satisfy internal and external demand. In 2022, according to the Cameroon Organization of Steel Processing Industries, the cumulative production of the actors in the sector was 260,000 tons of iron for an installation capacity of 450,000 tons. New factories in this field now enable Cameroon to export certain metallurgy products, and investors in the production of gas cylinders are enabling the country to make substantial savings. There are therefore calls for investment to boost production in various sectors and consolidate the expansionist aims of the Cameroonian economy. In other news, over 1,000 non-commissioned officers who took off from the training center for non-commissioned officers in Koutaba last January 10 have arrived in Yaoundé, completing a distance of 400 kilometers on foot. The exercise is a veritable proof of resilience and dedication to the service of the nation. Isingankum witnessed their triumphant entry into the nation's capital and compiled this report. Honor and fidelity. They have chosen to protect and defend fatherland with their lives, and it all begins with being physically and psychologically fit. 1,118 on the starting block in Koutaba, these cadet non-commissioned officers braved the long walk to Yaoundé, covering a distance of 400 kilometers on foot in 9 days. 400 kilometers was not easy.
It is an endurance step that will make this non-commissioned officer cadets be able to face any difficulties they will find on the field. An exhilarating experience for the youngsters. It wasn't easy leaving Kutaba to Yaoundé on foot, and it was all thanks to the courage the commandant gave to us, and equally the director of institution, and equally thank the Cameroon military in general. It made me to understand that I could actually cover that distance that I never imagined that I could go through. It is with songs of patriotism and cheers from fellow compatriots that the over 1,000 non-commissioned officers stormed the capital city, making the first stop at the Olembe Sports Complex before the final lap that takes them to the headquarters of the Joint Services Technical Training Center, SEFTA, in Ekounou Yaoundé. Vous regardez le journal télévisé bilingue sur la CRTV. Reparlons de la visite du ministre du vice-premier ministre chinois au Cameroun. Liu Guozhong était sur le site de construction du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale. Il a été accueilli là-bas hier par Kava Yege Dibril, le chef de cette institution. Voici les détails avec Pulchériaté. C'est avec charme et ferveur que le vice-premier ministre chinois, son excellence Ning Guozhong, a été accueilli au hall de l'entrée cérémoniale de l'hémicycle de l'immeuble siège de l'Assemblée nationale en construction. Pendant près de 2 heures, le très honorable Kava Yege Dibril et les députés présents ont célébré la grande amitié Cameroun-Chine. La moisson de cette longue amitié, non seulement elle est abondante, mais elle est aussi marquée par des actions d'une qualité exceptionnelle. Kava Yege Dibril a dit tout le bien de cette coopération, non sans indiquer qu'il s'agit bien de la volonté des deux chefs d'État. L'histoire retiendra qu'au plus fort des multiples crises qu'aura traversé le Cameroun, la Chine est toujours restée aux côtés du Cameroun. Et pour magnifier ensemble cette belle coopération, une invitation a été adressée au président de la République populaire de Chine. Je voudrais vous prier de bien vouloir transmettre à son Excellence M. Xi Jinping notre vœu de le voir venir personnellement au Cameroun à l'effet d'accompagner son Excellence M. Paul Biya ce jour-là, jour de l'inauguration que nous attendons tous avec impatience. À travers une vidéoprojection, le vice-premier ministre chinois et sa délégation ont découvert tous les compartiments du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale dont les travaux sont exécutés à plus de 84%. Quittons Yaoundé, rendons-nous à Lembeyezoum, situé à 180 km de la cité capitale, dans le département de la Haute-Sanaga, région du centre. La localité de Lembeyezoum a accueilli hier une délégation du Cercle des Amis du Cameroun, conduite par la représentante personnelle de Mme Chantal Biya, la ministre Pauline Irène Guéné, vice-présidente du Collège des conseillères. Eh bien, la délégation a rétrocédé au gouvernement du Cameroun un centre de formation au métier, un outil important pour l'autonomisation des jeunes enclins au chômage. Retour sur cet événement avec Joseph Clément Ombar. Joie dans les cœurs des populations de la Haute-Sanaka. Comme une hirondelle qui annonce le printemps pour les jeunes de Lembeyezoum, Pauline Irène Nguéné, représentante personnelle de la présidente fondatrice du CERAC, Mme Chantal Biya, vient ici, porteuse de bonnes nouvelles. Le centre de formation métier de Lembeyezoum, construit et entièrement équipé par le CERAC, offre aux jeunes de la contrée des possibilités de formation qualifiante en couture, maçonnerie, menuiserie, hôtellerie et restauration, chaudronnerie, technicien de surface, etc. À la place des fêtes de Lembeyezoum, la forte affluence des jeunes et des femmes est à l'image des grands espoirs placés en ce fleuron de l'insertion socio-professionnelle. Fidèle à sa tradition d'entraide et de solidarité, le Cercle des Amis du Cameroun n'est pas venu à Lembeyezoum les mains vides. Du matériel agricole pour les femmes rurales, des denrées alimentaires, des équipements de bureaux, des dons et autres commodités pour les personnes vulnérables, puis un groupe électrogène
don spécial de Mme Chantal Biya. Dans les tribunes, les autorités administratives, municipales et traditionnelles, les élites intérieures et extérieures et d'autres forces vives louent cet engagement humanitaire du CERAC dont les membres se déplacent à l'Embeyezoum en grand nombre. Du maire Isabelle Zé aux bénéficiaires, en passant par les délégués départementaux des services, tous savourent cette œuvre de bienfaisance du CERAC. Pauline Irène Guénet leur demande d'en faire bon usage. Ma sourmine Bisseux. Madame Chantal Biya m'a chargé de vous saluer très chaleureusement. Le centre de formation de l'Embeyezoum est une institution au service des hommes et des femmes. C'est un outil d'insertion professionnelle performant qui doit être mis au service des jeunes pour qu'ils puissent construire leur autonomie en apprenant un métier. Séance tenante, les dons du CERAC sont remis symboliquement. Parmi les bénéficiaires, les femmes rurales. Ces machines vont nous aider à écraser le couscous, les houes vont nous aider à cultiver, les fruits vont nous aider à tremper le manioc, les pulvérisateurs vont nous aider à pulvériser nos champs. Visité par la délégation du CERAC, qui le retrocède au gouvernement, le centre de formation au métier de l'Embeyezoum dispose d'une capacité de 175 places d'apprenants, une aubaine pour les jeunes. Nous aurons ici des chaudronniers, des menuisiers, des informaticiens, des dames qui pourront nous courir des vêtements. C'est un centre autrement important, non seulement pour résorber le chômage, mais permettre également à nos jeunes de pouvoir s'exprimer ici. À peine l'Assemblée générale du CERAC terminée, la caravane humanitaire du Cercle des Amis du Cameroun, qui n'est pas à sa première intervention dans la Haute-Sanaga, fait escale à l'Embeyezoum le 18 janvier 2024. Pour cette haute nouvelle, l'Embeyezoum avait toutes les raisons de célébrer. Welcome back. The Speaker of the National Assembly has described the new National Assembly complex under construction as a real example of the excellent relationship between Cameroon and China. The Right Honorable Kavayege Jibril was speaking in Yaoundé during a visit to the complex by the Chinese Vice Prime Minister Lu Guzong to be completed in August this year. It is financed to the tune of 55 billion CFA francs by the Chinese government. Charles Ebune with the details. The National Assembly complex under construction in Yaoundé, Cameroon today, temperatures average 25 degrees Celsius. The atmosphere of a great visit is evident. A bit of a mosaic of Cameroonian warmth hospitality, a slice of state protocol with the arrival of the third personality of the country, the House Speaker, Honorable Kavayege Jibril. And assisted by state protocol, the security ushers in the August guest, the Chinese Vice Prime Minister for Finance, Science, Technology, Industry and Transport on a 48-hour visit to Cameroon. The official tribune for the event is completed by a portion of the Bureau of the National Assembly and the presence of External Relations Minister Mbelambela for the government bench. La Chine et le Cameroun. China and Cameroon have one of the most excellent bilateral relations in Africa. En Afrique. The Chinese Vice Prime Minister for Finance, Liu Guozhong, is here to have a field of the construction work of the 15-story with 512 seats National Assembly building financed by his government to the tune of nearly 55 billion CFA francs. L'histoire retiendra. History will have it that in the midst of major crises in Cameroon, economic crisis, security crisis, socio-political crisis with separatist tendencies, China stood by Cameroon. La Chine est toujours restée aux côtés du Cameroun. To be completed in August this year, the building also has a 1,000 conference hall capacity. The lone speech of the ceremony is pronounced by House Speaker Kavayege Jibril, who calls the visit a unique moment in cementing of a friction-free line between Yaoundé and Beijing. Je voudrais vous prier de bien vouloir transmettre à son Excellence Monsieur Jinping. I wish you to transmit to President Xi Jinping our wish to have him here alongside President Paul Biya for the inauguration of this building. We are all patiently waiting. Ce jour-là, jour de l'inauguration, que nous attendons tous avec impatience.
and with the execution rate above 84% now, everyone awaits for the inauguration of the complex this year. S'il vous plaît, please. The First Lady of Cameroon has enjoined the people of Lembe Yesoum in the Upper Sanaga Division of the Centre Region to make good use of a youth training centre for trade constructed and equipped by CERAC. Speaking on behalf of Mrs. Chantal Bia, the founding president of CERAC, whom she represented at the ceremony, it's officially handed over the structure. Minister Pauline Irengene also extended warm words of encouragement from the First Lady to the rural women. Ayimbile reports. An exceptional day it was for the people of Lembe Yesoum, one of seven subdivisions of the Upper Sanaga Division created in 1995, located some 180 kilometers from Yaoundé, and which received for the first time the Circle of Friends of Cameroon, CERAC. Les populations du département de la Haute Sanaga vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Ladies led by the representative of the First Lady, Mrs. Chantal Bia, she who warmed the hearts of the 21,000 inhabitants of the locality with a youth training center for trades, described by their representative and elite as Mana from the founding president of CERAC. We want to thank Madame Chantal Bia, our mother, to also thank our father, His Excellency Paul Bia. We have many problems, unemployment problem, and we hope that this center can be resolved, that problem of unemployment, because with this center, the young man, ladies, and the man can try to learn practical work. Speaking on the occasion, Masumina, Masumin Bisu. First Lady's representative, Vice President of the Councillors of CERAC, Minister Pauline Irengene, singled out the strong correlation that exists between the center and training. Training, which she described as a key driver for jobs, especially for girls aged 15 to 19, as well as rural women also empowered by CERAC. Persévérer dans l'effort et continuer dans l'autonomisation. Tons of food, farm inputs and equipment, as well as an electric generator, a special gift from the First Lady, all received with gratitude by Madame Bella Pauline, president of one of the over 200 women's associations in the Upper Sanaga and supported by the First Lady. Not only had they received essential ingredients of a successful farming, but their lives, she rejoiced, had just been transformed. Emotions shared by key government players in the division, the mayor and divisional delegates of women's empowerment, social affairs and of vocational training, they who all applauded CERAC's key role in the promotion of inclusion in the country. And also by youths and women who turned up in their numbers on the Lembe Yesoum ceremonial ground to express in their own way their gratitude to their illustrious daughter, Mrs. Chantal Bia. La saison des vœux de Nouvel An se poursuit. Le ministre des Forêts et de la Faune, Jules Doré Ndongo, et la secrétaire d'État au Minfof, Koulsoumi Aladi Boukar, ont reçu les vœux de leurs collaborateurs ce vendredi. C'était au palais des congrès de Yaoundé, occasion pour Jules Doré Ndongo de dérouler la feuille de route qui guidera son département ministériel tout au long de l'année 2024. Voici le compte rendu de Caroline Ouété. Pour l'année 2024, l'accent sera mis sur la préservation des actifs écologiques et la gestion durable des forêts au ministère des Forêts et de la Faune. Et les efforts seront déployés pour introduire l'exploitation des produits forestiers non ligneux dans le système informatique de gestion des informations forestières. La valorisation des ressources ligneuses demeure un levier d'avenir du sous-secteur. C'est un segment porteur de nombreuses niches d'emploi et de captation des recettes budgétaires pour l'État et de ressources financières pour les populations en activité. Il faut garder à l'esprit que ce segment constitue un levier par excellence de la politique d'import-substitution, qui est un des axes majeurs de la SND 30. Cette cérémonie de présentation des vœux au ministère des Forêts et de la Faune était également l'occasion pour le secrétaire général de présenter au nom du personnel les difficultés rencontrées l'année écoulée et formuler les doléances pour l'année en cours. Une demande bien saisie par la hiérarchie. Notre souci constant est en effet l'amélioration qualitative des conditions de travail des personnels du MINFOF
dans le but de vous permettre de rendre en retour le meilleur service possible aux usagers et améliorer vos performances au bénéfice de l'État. Le ministre des Forêts et de la Faune s'est dit satisfait de la performance de son personnel avant de les exhorter à plus d'abnégation et d'ardeur au travail. La suite du journal pour dire que la dépouille mortelle du professeur Joseph Obona en provenance de Bordeaux en France a été accueillie hier nuit à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalène par le président du Conseil constitutionnel Clément Atangana. Un culte œcuménique dit en présence de nombreuses personnalités a marqué son moment de forte émotion. Thérèse Yolande Dima était à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalène. Voici son reportage. Il est environ 1h30 lorsque le cercueil du professeur Joseph Obona, remis au président du Conseil constitutionnel par la famille, fait son entrée dans l'un des halls de débarquement, transformé en chapelle ardente le temps d'un bref culte œcuménique. Dans la salle du Beau Monde, où l'on peut remarquer la présence d'une dizaine de membres du gouvernement, du cercle des amis du Cameroun, des amis et proches parents du défunt parti en octobre dernier pour un check-up à Bordeaux en France et décédé le 6 janvier 2024. Le mot des circonstances de Clément Atangana sera suivi d'un culte œcuménique présidé par l'évêque émérite de Mbalmayo, Mgr Adaben Djana, qui garde du professeur Ouna l'image d'un grand homme. C'est un grand patriote, brillante intellectuelle qu'elle était, et nantie de tous ses diplômes, il aurait pu continuer à professer en France, en Espagne, même au niveau international. Mais par amour pour son pays, il a préféré rentrer au Cameroun pour partager son pouvoir à ses frères les Camerounais. Témoignages similaires pour ceux qui l'ont côtoyé. C'était un républicain, un immense républicain, à la très grande probité morale. Et je pense qu'il a beaucoup souffert d'un certain nombre de dérives qu'a connu notre société. Mais en même temps, Joseph Obona reste vraiment un patriote. C'est le patriarche qui part. C'est le grand frère qui part, mais c'est également le grand républicain qui part. Les uns et les autres vont tour à tour s'incliner devant le cercueil qui prendra par la suite, vers 1h30, la route pour la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Nos pensées émues. La page spéciale L'Instant T ici ce vendredi. Nous faisons immersion dans une start-up qui a digitalisé tout son processus de fonctionnement et ceci grâce à l'intelligence artificielle. Elle a automatisé chacune de ses tâches via l'utilisation d'outils intelligents de production de contenu. Du fait de ce clic dans l'univers du numérique, avec tout juste 4 employés, elle produit un travail qu'une dizaine de salariés devraient effectuer et en un laps de temps. Notre reporter Diana Eyango s'est rendue dans cette jeune entreprise camerounaise. Voici son reportage. Bienvenue chez ADN, l'agence digitale La Networkeuse. Voici un exemple de vidéo de communication générée par Heidien, une intelligence artificielle. Sur la page Facebook de cette entreprise novatrice, vous en trouverez une cinquantaine par mois. Grâce à ce logiciel, elle dépense mensuellement 30 000 francs CFA, la somme qu'un monteur professionnel exigerait pour chaque vidéo. À ce jour, c'est capital. Cela nous aide déjà à faire des économies en termes de ressources humaines. Parce que, je vais dire, les services de monteur ne sont pas forcément à la portée des petites entreprises comme la nôtre. Grâce à une application qui est Agents, je crée un avatar. Et lorsque cet avatar est choisi, j'adopte un script. Je choisis la langue du script et je peux faire en sorte que cet avatar dise ce discours-là. La start-up a pour mission d'aider les entreprises à communiquer et à vendre en ligne. Pour mener à bien sa mission, elle a digitalisé 95% de son fonctionnement et travaille avec une dizaine d'outils d'intelligence artificielle. L'IA nous aide notamment à travers, par exemple, la création des chatbots qui nous aident à répondre aux questions récurrentes de nos clients. On peut se servir de l'IA
pour rédiger certains contrats. Petit essai avec le générateur de texte, ChatGPT. Même quand je demande à un juriste de le faire, c'est pareil. L'entreprise a choisi d'évoluer dans l'ère du numérique. Aujourd'hui, elle réalise avec 4 employés un travail de 10. The Minister of Forestry and Wildlife, Jules Durendongo, has extended handshakes to staff of his ministry who came to wish him the best for the new year. And the best of the new year to them means more commitment to work harder and produce positive results as prescribed by the minister. Laura Bateeya Achang reports. It is with great joy and happiness that the staff of central and decentralized services of the Ministry of Forestry and Wildlife extend handshakes of New Year's wishes to their boss, Jules Durendongo, this January 19 as they are on the conference center. It is in fact an opportunity for a novel and useful exercise that leads us to wish each other strength, energy and enthusiasm needed to transform our wishes into reality. It was an opportunity to lay down some difficulties faced by the ministry for the past years and propose solutions and prospects for the year 2024. This sector faces challenges that we all know: international transshipments of livestock, poaching, human wildlife conflicts. Ensure that protected areas are secured. We shall continue to promote and consolidate this win-win diplomacy between MINFOF and its development partners. The minister encouraged his collaborators to continue to work in enthusiasm and wish them strength for better productivity this 2024. Reparlons de sport. Comme nous le disions dans les titres du journal, les Lions de la Teranga ont été plus forts ce soir. Les hommes d'Aliou Cissé ont tenu en respect les poulains de Rigobert Sombanak. Le score de la partie, 3-1. La fin du match Cameroun-Sénégal a été sifflée il y a quelques 40 minutes par l'arbitre Mahmoud Ismaël. Les Lions de la Teranga sortent vainqueurs de ce duel de fauves. Les Sénégalais se qualifient pour le second tour après 2 victoires consécutives. Quant aux Lions indomptables, ils sont en grande difficulté avec un seul point à l'issue de 2 matchs. La défaite des Lions indomptables n'est cependant pas synonyme d'exclusion pour la suite de la compétition. Les Lions restent en lice en attendant la rencontre Gambie-Guinée tout à l'heure. Pour l'ambiance et les projections ainsi que les premières analyses, retrouvons nos envoyés spéciaux sur place à Yamoussoukro, Benen Boumagana et Evariste Yenga. Bonsoir. Les spectateurs de la CRTV, grosse désolée à partir des commentateurs, population dans les tribunes, supporters des Lions indomptables. Ils ont été abattus. 3 griffes des Lions de la Teranga contre une seule côté camerounais, suffisant donc le Cameroun qui se met définitivement donc au creux de la vague. 1 point seulement en 2 matchs, même s'il occupe avant le début du match Guinée-Gambie qui va commencer dans quelques minutes, tout juste à notre gauche. Même s'il se met, reste à la 12e position, l'issue de ce match va redistribuer les cartes dans la poule C. Le Cameroun, il faut le dire, cette fois-ci a compromis davantage ses chances de qualification. Mais attention, le Cameroun n'est pas encore totalement éliminé. Il faut espérer une victoire à la dernière journée face à la Gambie. Une victoire avec un large score, évidemment, Bénin. Thank you very much and welcome. Finally, here we are at the close of the game, Cameroon against Senegal. A lot of expectations were high from fans, but now the results is very clear. It's 3 for Senegal and 1 for Cameroon. As a matter of fact, the Cameroonian team did not demonstrate any interest. They did not demonstrate mettle. They did not show the desire like they really wanted this. Close to the game, 5 minutes, they picked up the desire. But was it not too late? Yes, it was. So we saw it. It wasn't really the team that Rigobert promised that we were going to see today. It wasn't the team that had desire for it. The passes were not there. The combinations were not there. It was not there. The desire for offense and attack was not there. They failed to commit any attack. And so here they are, likely to get to the third point in Group C. We are waiting to see what is going to happen between Guinea
and the Gambia. The soccer professor Aliou Cissé has demonstrated once again that he is a master of his game. Cameroon are going out on a 3-1 defeat, but they are looking forward to their game against Gambia, where they hope to get so many goals. We are right here is Irish Nyege Mbomeke. Evariste Yenga and I, Benin Boumagana, back to you. Merci Evariste Yenga, merci Benin Boumagana. Les téléspectateurs de la CRTV et l'ensemble des Camerounais ont plutôt douloureusement vécu cette rencontre. Mais il faut retenir que l'espoir n'est pas totalement perdu. Les Lions devront battre impérativement la Gambie mardi prochain. Salih Raihanatou, peut-être les temps forts de cette rencontre. That's right, Atta. Cameroon has compromised its chances of round two qualification after a defeat against cup holders Senegal. The Teranga Lions overpowered the indomitable Lions by 3-1 in a crucial Group C outing in Yamoussoukro today. Let's get highlights of that encounter with our reporter, Romeo Kenny. Cameroon not bold enough to get a win against Senegal in a mouth-watering day two action in Group C. Both sides commenced the first segment with much engagement relying on 4-3-3 formations. Defending champions Senegal went fetching the curtain raiser when Ismaïla Sarr fired near to beat goalie Andre Onana. From Zambo Anguissa, a punch coming in from a shot! No one expected from Ismaïla Sarr. The West Africans imposed presence, silencing Cameroon's midfield, and Chato came clearing off Sadio Mane's onrushing effort before recess time. From break, Senegal was still a better side, keeping ball possession. On 70 minutes, Diallo added tally for the Teranga Lions. Cameroon only managed to cut score via Castelletto's header before Sadio Mane netted his first in the tournament. This last minute, this is the soccer that probably would have brought into the game from the very start. The story wouldn't have been the way it is now, but watch on with the Senegalese press. Sadio Mane! The 3-1 win remained unchanged till full time. Senegal with 6 points have now progressed to the second round, sitting top in Group C, pending their last group match against Guinea. Cameroon will now hope for a possible win against the Gambia on Tuesday to hope for a best loser spot. And away from football, it was a gloomy atmosphere at the Simalen International Airport last evening with the arrival of the mortal remains of Cameroon's erudite professor of constitutional law, former member of government and member of the Constitutional Council, Joseph Owuna. The president of the Constitutional Council, Clemana Tangana, headed a delegation of members of the Constitutional Council, as Sidoni Jobmandi reports. The remains of Professor Joseph Owuna were flown into the country around midnight through Air France. This was amidst high mobilization by officials, political elites, family members and sympathizers. You have had the opportunity to have Professor Owuna first as my official boss in the Ministry of National Education, then till the moment he decided to involve me in his own private family as a member of the family, so that I was involved in whatever event happened there. Very easygoing man, very, very committed, full committed to his own people, those he had from his own activities, together with those he decided to adopt it nationwide. Among the dignitaries present at the Yaoundé Simalen International Airport to receive the cups was the president of the Constitutional Council, Clément Atangana, other members of the Constitutional Council, and personnel of the legal structure. After the mortal remains were taken into one of the main halls of the airport, the Bishop Emeritus Adel Benzana saluted the work done so far by the deceased and reminded to attendees the mystery of death. The late professor was in 1973 when I spent 3 months in the University of Yaoundé before traveling to the US. When I returned, as a lawyer, I was able to strike a personal relationship with him. He already had a personal relationship with my family. My father considered him as a son. In my father's later years, when he was very sick, you know, there was no access to my father. But my father insisted that the professor could come and see him in his bedroom.
The remains of Professor Joseph Ona were transported to the mortuary of the Yaoundé General Hospital at exactly 1:30 a.m. this morning. Our ICT page today zooms in on an online platform that has digitalized its services thanks to artificial intelligence. Owned by a young Cameroonian, the platform uses artificial intelligence to carry out administrative tasks and respond to client worries. Solange Awasum tells us more. A Cameroonian e-commerce startup that helps other enterprises and individuals to communicate and sell their products online has digitalized its entire operating process via Hygiene Artificial Intelligence. Thanks to AI, human resource is being economized. Artificial intelligence helps in performing administrative duties. For example, we can draft out our contracts and reports, even though the opinions of experts are required to finalize the contract. There is a chatbot of artificial intelligence that permits the enterprise to frequently respond to inquiries and questions. We don't require the services of an editor in our startup. Thanks to artificial intelligence, we can edit videos, control the page, and it saves us time. The online platform can equally generate contents like avatars. I use AI to create an avatar, write a script, and choose the language. AI can translate it in any language on our platform. The company has chosen to evolve in the digital age. Today, it can boast of work by 4 employees, equivalent to 10. Artificial intelligence has made work less cumbersome, but vigilance is being advised for many contented and data can easily be fresh or pirated with the help of artificial intelligence. Une page spéciale à une autre, les rendez-vous culturels du week-end. Parlons ce soir de la playlist de Sissoul qui s'enrichit d'une collaboration avec l'artiste Kérosène de Côte d'Ivoire. Et si vous êtes cinéphile, le festival Yara et le canal Olympia de Yaoundé vous déroulent le tapis rouge tout le long de ce week-end avec des films typiquement africains. Voici l'agenda culturel du week-end proposé par Ariel Otou. Au-delà des stades, la Cannes 2023 se joue également sur les scènes musicales. Week-end, tout feu, tout flamme pour la Cannes Total Energy 2023. Vendredi de rêve pour Sissoul qui nous livre un nouvel opus avec l'artiste Kérosène de la belle famille. Toujours ce vendredi, vivez la Cannes dans une soirée spéciale grillade et karaoké chez Audrey Fashion, sise à l'école publique des Foulanes. Clin d'œil aux anciens lions indomptables. Allez les lions, gagnez les gars, bravo. Samedi, retrouvez l'artiste Laure Noir dans un atelier de formation, d'échange et de partage d'expérience à la Case des Arts des Sauces. Méchant pour chien de tendresse, rien que pour toi. Amoureux du 7e art, le canal Olympia de Yaoundé et le Yara Festival sont les lieux indiqués pour vous. Plusieurs menus sont à votre portée. Il y a beaucoup de personnes, il y a des vies, il y a des enfants. Bon week-end. Bon week-end, Ariel Otou, les 13 lauréats du PKFOCAM Arts et Métiers, section de la Business Excellence Academy, ont reçu leur diplôme de fin de formation. La cérémonie de remise de ces diplômes a eu lieu au campus 6 au quartier Emana à Yaoundé. Le président du jury, Célestin Tawamba, a demandé aux récipiendaires venus de 5 pays d'Afrique de mettre à profit les enseignements reçus pendant les 5 mois de formation. C'était en présence de nombreux invités. Voici le reportage de Valentin Kouadeu de CRTV Centre. Les 4 mois de formation étaient éprouvants. Il fallait faire preuve de ténacité, comme l'explique ici la major de la promotion, Ouattara Angélique Muriel, de nationalité ivoirienne. Cette dernière est repartie avec une enveloppe de 700 000 francs CFA. La formation PKFC est endurante. Donc ça m'a appris à être beaucoup plus endurante.
ça m'a pris la résilience parce que les cours étaient accélérés, on n'arrivait pas à dormir, on disait que c'était trop difficile. Mais c'est cette volonté qu'on a eue de tenir, d'aller jusqu'au bout de la formation, je pense, qui a milité en ma faveur. Les apprenants issus des 5 nationalités, à savoir le Sénégal, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry et le Cameroun, ont reçu une formation complète. C'est une formation qui a mis l'accent sur les besoins exprimés par des chefs d'entreprise dans le domaine de la gestion des projets, la gestion des risques, la lutte contre le blanchiment d'argent. 7 autres étudiants ont été formés au système Cisco. Précision avec l'assistant des travaux pratiques. Le programme de formation Cisco consiste à permettre aux ingénieurs et aux apprenants d'acquérir des connaissances dans le domaine des réseaux informatiques. Doté de machines au standing, l'accès à la formation est gratuit. Cependant, il faut au préalable passer un concours. Le docteur Fokam a une vision de l'Afrique. Une Afrique fière d'elle. Une Afrique avec des cadres bien formés et compétents. Et il veut traduire cette vision dans les faits. La vision du fondateur est de vulgariser l'accessibilité des formations. Le président du jury, Célestin Tawamba, dans sa prise de parole, a exhorté les lauréats à plus d'abnégation au travail une fois de retour dans leur entreprise respective. 5,000 computers have been made available to equip primary schools in the Southwest region with the necessary tools and skills to effectively implement the digitalization in the teaching and learning process. This was revealed during the maiden tour of the Southwest Regional Delegate for Basic Education, Elangwe Rose Bume, in FACO Division. Humbo Suzy Monjoa reports. Partnering with the Central African ICT Village, the Regional Delegation of Basic Education seeks to promote digitalization of teaching and learning in primary schools in the Southwest region, a step which will lead to efficient learning and teaching. 100 computer labs will be given to us in all the 31 sub-inspectorates. It will go a long way to make the teacher look more digital. The partnership that involves the regional delegation providing the classrooms to establish the computer laboratories and their partner, the computers and other equipment, will also see the training of teachers on the use of the computers. We keep maintaining them, we keep servicing them, we keep replacing them. And they keep using it because we want them to have the knowledge. The inauguration of the first fully equipped computer laboratory at École Publique Francophone in Boya marks the beginning of the installations which will be done in public schools in all subdivisions of the Southwest region. And that report puts an end on this Balingua newscast. Thank you so much for your kind attention. Until tomorrow is another day. Tomorrow is another day, Sali Raihanato. À retenir de ce journal, le Sénégal qui se qualifie pour les 8e de finale en battant le Cameroun. Le match Cameroun-Gambie mardi prochain sera certainement meilleur. Journal réalisé, préparé avec la collaboration de Sidoine Moncam, Fête Ngoti, Mariam Mazou, Ruth Marcel Ngomban et l'ensemble des stagiaires. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et bonne soirée à tous.